Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Donc, je vous propose un petit texte au niveau 1. Ça, c'est très, très, très courant, qui c'est le « Présente-toi à ton nouvel ami ». Ici, on pourrait avoir aussi, en utilisant « vous », « Présentez-vous à votre nouvel ami ». C'est possible. Donc, tous les deux sont corrects. La différence, c'est qu'ici, on tutoie la personne, mais sinon, on va la vouvoyer. Mais sinon, voilà. Donc, on va commencer. Là, c'est simple. Je vais donc créer un personnage et parler un petit peu sur ces personnages-là. Quand il s'agit du niveau A1, normalement, on écrit au minimum 40 mots. D'accord? Donc, allons-y. Quand on fait un petit texte, on va se présenter. Normalement, on salue les gens. Donc, on peut commencer par « bonjour ». On pourrait utiliser également « salut ». Donc, oui, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Donc, « bonjour ». Je m'appelle. Ici, vous allez donner votre nom. Je m'appelle. Ici, je vais vous créer un personnage. Donc, je m'appelle Sarah. Ensuite, je vais parler un petit peu de Sarah. Donc, j'ai 15 ans. Et je suis française. Qu'est-ce qu'on a là? On a le prénom de cette personne, on a l'âge de cette personne, on a la nationalité de cette personne. Donc, si vous dites « Bonjour, je m'appelle par exemple, je m'appelle Adam. » Donc, je m'appelle Adam, j'ai, vous ajoutez votre âge. Par exemple, j'ai 25 ans et je suis, par exemple, algérien. Donc, vous allez ajouter le nom ici. Par exemple, je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans et je suis canadien. Donc, vous allez donner vos données ici. Pourquoi? Parce que ça commence la présentation. Vous pourriez ajouter, par exemple, je suis célibataire ou je suis marié. Vous pouvez ajouter, par exemple, j'ai des enfants ou pas. Mais ici, on parle de Sarah. Sarah a encore 15 ans. Du coup, ces informations, on n'a pas encore parce que Sarah n'est pas mariée et elle n'a pas d'enfants. Ok? On n'a pas besoin d'ajouter. On pense toujours par rapport à son âge. Ok? Ensuite, on va ajouter quelques informations par rapport à Sarah. Par rapport, par exemple, où elle habite. Donc, j'habite à plus les noms de votre ville. Donc, j'habite à Paris avec mes parents. Et j'ai une petite sœur. Ici, il y a plus d'une façon d'écrire cela, bien évidemment, ou plusieurs même. Par exemple, et j'ai une petite sœur et ma petite sœur, parce que ça veut dire qu'elle habite bien évidemment tous ensemble, donc avec mes parents et ma petite sœur, ou mes parents et j'ai une petite sœur pour montrer qu'elle a aussi une petite sœur. Du coup, si vous partez du principe qu'ici, les informations les plus importantes, c'est de bien savoir placer « j'habite à » plus une ville ou « je vis » plus les noms de la ville et avec qui vous vivez. D'accord? Voilà. Ensuite, on peut ajouter ce qui cette personne fait, par exemple. Si, par rapport à ça, je veux ajouter une information, je pourrais encore ajouter, par exemple, j'habite à Paris avec mes parents et j'ai une petite sœur. Si je veux gagner quelques mots, j'annule les points ici. Hein. Donc, je peux dire qui s'appelle Anna, par exemple. Ici, j'ai ajouté une petite information complémentaire par rapport à la petite sœur de Sarah. Ensuite, qu'est-ce que Sarah aime faire? Donc, j'aime beaucoup écouter de la musique
et jouer au football. Jouer au foot, c'est aussi bien vu. Football ou foot, ça va. Foot, c'est la forme réduite. Donc, le week-end, comme là, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, le week-end. Virgule, j'y vais. Souvent. Au cinéma. Avec des amis. Ici, on pourrait dire avec ma famille, on pourrait dire ce qu'elle va par exemple au parc, au musée, donc il y a d'autres informations qu'on pourrait ajouter. De la même façon qu'on dit ce qu'elle aime, on pourrait ajouter ce qu'elle n'aime pas. Donc par exemple, j'aime beaucoup écouter de la musique et jouer au football, mais je déteste me lever tôt pour aller à l'école, par exemple. On pourrait. Pourquoi? Parce qu'il y a donc le côté positif et négatif. Donc on donne ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Mais vous voyez quand même, je vais essayer de vous approcher un petit peu, c'est un texte assez simple au niveau 1. Ici, il y a à peu près entre 40 et 50 mots. Je dirais 45 mots à peu près. J'ai compté hein, au fur et à mesure que j'ai noté. Donc s'il y a 45 mots, là, c'est-à-dire que normalement, quand c'est demandé 40 mots, je suis vraiment dans une moyenne excellente. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé ce qui a été demandé, minimum 40 mots, et en même temps, on a les informations qui ont été demandées pour présenter quelqu'un. Je vous rappelle toujours qu'il y a plus d'une façon de faire la même chose. Vous pouvez ajouter plus d'informations si je parle de moi-même. Je pourrais dire, par exemple, je m'appelle Rose, j'ai 34 ans, je suis franco-brésilienne, j'habite à Lyon avec mon mari. Donc, je pourrais ajouter, pour l'instant, je n'ai pas d'enfant. Et je pourrais ajouter, bah, je travaille en tant que, et je parle de ma profession, de ce que je fais, ce que j'aime faire à Lyon, quand je sors de Lyon, où est-ce que je vais, quand je pars en vacances. Je pourrais ajouter plein d'informations différentes. Donc, ça dépend vraiment de notre vécu, de notre quotidien. Voilà, donc, un petit texte niveau 1. Je vous laisse faire une capture d'écran. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte? Eh bien, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes, et je vous présente comment m'y écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire, ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes APPRENDRE et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.